Quand on te dit un grand monde, hein, par rapport à ça que Richard a développé, accepter et naturellement passer la parole à Sylviane Magloire. Alors, on te dit développer si à veille, si à l'entour Tambou, par rapport à la métropole. Il expliquait que ça n'était pas facile. Ça n'a pas été forcément facile, comme il dit, mais il arrivait quand même, étant que femme dans le milieu du gros cas, à imposer. Sylviane, est-ce que ça a été facile d'imposer, que, étant que femme dans le milieu du gros cas, en sachant pertinemment, quand il a dit en grand français, ces bougas, c'était des machos. Je savais d'ailleurs. On ne peut pas permettre de crier tout bouc des machos, parce que ni des bougs, ni des bougs qui là, effectivement, y a pas envie d'évoluer parce que sont madame, y a pas envie d'évoluer en tambour. Mais ni certains bouc, il ca poussé, il ca dit comme ça. Allez, ou capable porter mon œuvre vous qu'arriver. Et puis c'est à partir de ces monde positif là, en tenir des leçons, en tenir monde positif et monde négatif. Et quand on mélange des bien là ça, on allez, on nous sortir un vent positif et un vent négatif, ou ca servir avec tous les deux parce que faut travailler avec eux. C'est comme si dire nous électricité ni positif et négatif et puis de regarder au besoin tous les deux quoi. Et puis de regarder en vigne. Ça a été redevé nous, c'est que nous pas tenir côté pour nous te répéter. Alors donc nous te quand répéter dans ces parcs là, devant parc nous quand répéter, nous quand jouer ou bien nous quand louer un petit salle. Si nous à 10 nous chaque cas payer nous protocole. Oui, si nous te genre 1 euro, nous te quand payer nous chaque te quand payer 2 euros pour nous payer louer salle là pendant X heures. À pas plein d'heures pendant X heures et pas demandé pour répéter bien parce que vous avez ça là et puis finalement en fin pas fait céder moi à ca on monsieur Sabel à ca on monsieur en studio hein en studio alors là nous en France hein c'est oui bien nous ça? En France d'accord en fait céder là dans studio monsieur là t'as fait un qui reggae un qui pop il dit moi pour ton travail là bas moi je fais c'est un Martinique. Moi, pourquoi j'en fais habiter comme ça, non, Sylviane? Il dit moi comme ça, nous allons essayer. Nous essayons. Premier prise de son là, il dit moi, papa, 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 fais ça. Et là, on voit qu'on fait ça, dit, t'as bon. Eh bien, effectivement, il dit moi, c'est super. Il range tout bité, il a établi, il fait toute qualité établi, il n'est pas technicien dans ce bité là. Il range tout ça. Il base en mien écouter, il va m'écouter parce que moi t'es qu'à rester, lui t'es qu'à rester à Paris et moi t'es qu'à rester petit à petit loin, nous ça c'est aussi. Et là qu'à descendre, on écrit et moi qu'à écouter, qu'à dire ça pas bon, mentir ça. Finalement c'est de la fête. En fin pas fait céder moi tout. On enregistre, nous enregistre, on mixe à Londres et puis le regarder. Mais la communauté là-bas, qui j'ai accepté CDA, étant que femme, parce qu'à l'époque là, ça, bon, c'est peut-être récent, mais la femme qui a chanté déjà Grouka, nous pouvons compter sur les 5 doigts d'une main, bon, Nissa a commencé vite, mais les plus connus, nous pouvons compter sur les 5 doigts d'une main, qui j'ai le public déjà en bas là, parce qu'on sait que moun en bas là, il y a un Grouka, il y a un tambour, et il y a une manœuvre qui a porté en bas là, d'ailleurs, pour yon, on a salué yon tout, parce que qui je dois accepter ces dés là. Eh bien quelque part c'est mitigé ou ça mais dans le monde du Goka même il y a même bien... en portant un grand nom du monde du Goka nous à papa Magloire pas forcément ça parce que là on va venir pour faire effectivement c'est Timona au monde ou c'est Timona Napoléon Magloire mais à part ça il y a si c'est Timona Napoléon Magloire on vient chanter Goka on va connaître chanter Goka on va quoi quelque part c'est rien. D'accord. Mais est-ce que ça permet de vous, par exemple, ouvrir des portes ou des mondes qui disent non à papa, ni des bitins qui nous peuvent faire? Parce que moi, personnellement, j'attends de vous chanter, et en disant toute sincérité, ou pas à chanter faux du tout. Au contraire, on a une très, très, très belle voix. Eh bien, en fait, non à papa, moi, t'es souvent là, puisque c'est un grand homme, son maître du cas, papa, moi, accepté. Oui, accepté, je dis ça. Mais. Papa, moi, mais il était toujours avec moi parce qu'il était toujours à bout. Allez, là, on va chanter, 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 on va chanter,
Finlande, où souvent chaque année, il y a un festival du Goka, il y a un festival à Belle Goka et il y a un festival à Groupapo. Quoi, pas les métropoles. En métropole. D'accord. Et puis, dans toutes ces bites-là, ça étant donné les Goka, on participait à pas mal. Hein, vous participez en tant festival Goka Saint-Anne déjà? Non. Ça pour j'y arriver moi. Ben yo yo à l'écoute, yo regarde, yo a même mission là ça, yo regarde. Yo a même mission là ça, mais ça pour j'y arriver moi des parties. Ben ça qui fait peut-être l'année là ça. Festival à Goka, c'est un non. Justement, tu es pour inviter Bérald, président Le Cas, et il dit même aller résumer Pépa, mais nous qui réinviter, parce qu'il pour venir aussi parler des festivals là et ça qu'a fait alentour, et répondre aussi Jean-Claude Nelson aussi par rapport à tout ça il dit concernant festival là. C'est ton interlude, continue. Non, mais son bon bité. Son bon bité, parce que festival du Goka, nous, on a été fait à Saint-Anne, en l'été, en bon, mais là, en haut à Saint-Anne. Après, ça y est descendu à Galba. Ouais. Et voilà. Mais moi, on a été suivre ça bien parce que nous t'aimons ça. Nous t'aimons, on t'aimait à vivre, on t'aimait à regarder et machin. Alors, donc, depuis nous, on a été suivre ça. D'accord, nous avons profité bon, pour voyons grand force. Bah, Félix Cotelon, nous savons oui, qu'elle a encore là, pas guébon, mais on sait qu'elle sont beaucoup qui toujours gagné mentalement et son beaucoup qui debout. Nous avons voyons grand force bail parce que si pas tenu Félix à l'époque, festival va être fait. Festival, et en l'obitant, on va être fait. Bien. Donc, on a noté. Si la France, qui j'ai encore vu. Bon, je pose une question. Qui j'ai encore vu en France, Goka, là? Parce qu'on sait que vous jouez tambour en France même. Qui j'ai en communauté là? Est-ce qu'il y a soudé qu'on la Guadeloupe? Est-ce qu'il y a le même fonctionnement là? Qui j'ai ça qu'a passé? Vous pouvez parler franchement, hein? Vous pouvez garder, vous doit répondre aussi. Non, non, non. à pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, communauté à Goka, il y a soudé, mais il y a soudé éveillé. Si vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas éveillé. C'est pour ça qu'on a voyé, un bel coup de chapeau à M. Romé Absalon. Il a travaillé dans un radio. Enfin, il n'a pas travaillé en radio, là, il a fait une émission culturelle à Goka. Et il a essayé de sembler chaque monde à Goka et discuter avec vous. Parler avec vous. Très bien. Bon? Très bien. Vous êtes comme un grand voyant. Ah, mais Romé, franchement. Richard, vous avez joué dans Bouan? Un café, on vieillesse, on choqué. On choqué. Un peu boula, tibou. Par contre, dans la sombre, on a joué. Oui, très bien. Et Kavin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En cas, vous êtes dans l'art visuel, ou dans l'art visuel, vous faites l'obitain. Et on savent qu'au fond, l'obitain, jusqu'à la date d'aujourd'hui, à l'entour à Goka, pour Christine, pour Chabin, qui Jean Sakavin, en disant, pour faire pousser ces gens-là, vous savez, à part qui c'est Goka, d'une manière générale, nous avons été lancé en 2008, on a commencé à travailler sur ça. Son bité en tout cas, grand visage. L'idée là, c'est quoi? C'est glorier les gens qui sont morts, les disparus, hommage aux grands disparus. C'est comme ça qu'on a créé ça. Pour valoriser ça, nous en Guadeloupe et de bien montrer que. Contrairement à ça, nous toujours fait, qui toujours fait, c'est que les mouns qui méritaient de mettre en avant un pays là, à pas été forcément des mouns qui pèdent, qui échouent, qu'on Delgresse, qu'on Massoto, qu'on Ignace. Là, on a dit pèdent, échouent, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ils sont pas victorieux des combats, puisque nous là toujours, quand ils essayent de tirer pied en nous. En vieux souliers. Voilà, en vieux souliers. Donc, c'est plutôt ces mounas qui mettent en avant. Des guerriers, des militaires, c'est toujours alentour, c'est nègre marron, c'est tout ça. Mais yo, en dehors de ces mounas, non, yo, d'une manière générale, c'est moun qui a cherché à valoriser, moun qui fait travail de valorisation, là. Ça veut dire mouna dans nous, mouna des rois, nous. Oui, d'accord, très bien. Qualité. Or, en rendant compte que c'est une des valeurs qui n'est pas forcément et qui sportive, qui pas forcément et qui militaire, qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire des mouns comme par exemple Nicolo, Georges Nicolo, pas assez jeune qui pas connaître qu'il y a Georges Nicolo. Et Guillaume Le Thiers, le chevalier de Saint-Georges, qu'il y a vénéré, mais Guillaume. Nicolo, c'est Moun Gosier et médiathèque là, rapporté nous. Absolument. Et donc, si vous voulez, sinon, le grand nom, le grand femme qui fait des bitins et qui pas forcément dans le domaine uniquement sportif ou militaire, qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire, nous pas qu'un qui les muscles. Nous n'y aussi mon assez au haut et mon qui fait des bites. Et en cas profiter, moi dis, puisque on va parler d'engagement, un artiste,
Il parle pour faire mon amuse, simplement. C'est-à-dire, activité. D'ailleurs, là, on va mettre sport et culture, toujours ensemble, ça a toujours posé mon problème. C'est que c'est le côté ludique et loisir que on va vrai, là, on va mettre ces débitants là ça ensemble. Mais qui c'est sport, qui c'est qu'il dit, c'est débitants qui pas que de loisir. La culture des têtes permet de réfléchir. D'ailleurs, si en sport, il y a fait mon chanter la Marseillaise ou l'hymne national, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ont des enjeux qui sont au-delà même de l'effort physique. Et au niveau de la culture, on ne peut pas contenter nous de faire belle, c'est-à-dire c'est peine ou quoi peine, c'est un qui fait bel tableau pour moun, un vrai bel paysage, bel bitin comme ça. Si c'est musique ou quoi faire, c'est un qui bitin pour moun, soukre bouillot, ayo. Non, il faut être capable. Et bravo, Patrick Saint-Éloi, bravo oui. D'autres encore qui oui. Mettent des textes, des paroles. Oui, des engagements. Oui, Jacob Desvarieux aussi, des textes qu'il fait, qui est engagé, qui en fait, qui a fait réfléchir. D'ailleurs, pourquoi dit Jacob c'est le médicament, nous n'y sommes pas. Ça t'est ironique aussi, ça veut dire l'hôpital, ça t'est quand même pas. Oui, allez pas. Voilà. Donc, par exemple, en fond travail récemment, ça pas normal qu'un pays là, ça, Guillaume Le Thier, qui c'est un grand peintre de l'histoire oui. Mondiale de l'art, il fête Sainte-Anne à Montmain en quartier Roi-Jolan, à French, et nous pas fait rien si, c'est-à-dire rien. Eh bien, t'es une initiative qui, justement, qu'a profité moi, voyons, en force baille, qu'elle aurait là, ils sont lancés avec moi, et nous faisons Sainte-Anne, et bien, et nous aillons Sainte-Anne, et nous faisons à Sainte-Anne un hommage en commune, en ville à Guillaume. Parce que les autres savent, et ni la Rilétière, Sainte-Anne, ni la Rilétière, la pointe. Oui, tout parce que les autres savent qu'actuellement, le Rhode Island, le Clark Museum, et Clark Institute Museum aux États-Unis, américain, qu'a glorié Bouga, tout bonnement, parce qu'il y a des tableaux. Et qui sont Guadeloupéens par glorié Bouga? Ils sont Guadeloupéens, que nous-mêmes, nous pas nous, au niveau de la culture ici, dans pas ni le réflexe à la programmation, à l'hôpital de Savgenois, dans 264e anniversaire, wa, naissance à Bouga, en Guadeloupe, mais étranger qui a fait grand bitin bay. Et a invité officiellement au mois de juin à venir faire une conférence d'ailleurs. Vous touchez les politiques à niveau là ça? Mais oui, mais oui. Non, mais on va poser une question. Mais oui. Dans tout ça, on va faire, on sait très bien qu'on va porter manœuvre, on va mettre ici les réseaux sociaux, on va dire. Et on va voir tout ça. C'est comme pour le 1% artistique. Qui veut qui gourmet plus en Guadeloupe pour le 1% artistique? Si les médias, tout partout pour dire, ce n'est pas normal qu'ils ne pas mettre en place une politique pour permettre effectivement aux artistes guadeloupéens de réaliser une œuvre d'art dans des bâtiments publics. Tout ça, bâtiment, il va faire en Guadeloupe. Tout ça, construction. Faut en crier pendant 10 ans pour dire appliquer loi là sans Guadeloupe, ça pas normal. Et ils ont fini par appliquer. Mais timidement, ils ont appliqué une fois sur 20. Une fois sur 20. Fois sur 20. Mais les gens critiquent moi, ils ont dit moi oh putain, ils ont juste dit moi Bouga tout mon point là. Bouga tout mon point là. Bouga tout mon point là. Deux points. Amis artistiques ou bien parce que à pas rien qui les veut. Mais c'est sans dire. Alors sans faire polémique, sans faire polémique, on a précisé, on a dit ça, c'est une des espaces publics. Comme un point qu'en fait effectivement et que mon et pourtant si c'était un bitin que en TV préservé pour moi et en bas TV pour mon justement agir à niveau là ça pourquoi t'es goumé pour mais attends alors nous attends comprendre bien pourquoi oui. T'es goumé pour oui mais tout le monde bon Richard parce que c'est pour tout le monde le 1% artistique c'est pour permettre les idées aux gens d'autres oui mais Richard nous on connaît engagement mais dans le milieu artistique même ni moun ka dit mais Richard son anti c'est comme des pichets c'est café qui bitin c'est qui toujours machin mais ça fondé sur quoi ça pas du bon sens évidemment des pichets en cas il va en bitin non pas non mais on va éviter pour ça parce que en cas il va en forme en pour j'ai vendu un tableau en Guadeloupe biche qui 10 000 euros écoutez bien 10 000 euros fais attention à ce que tu dis en connaître des artistes non d'accord. Si des Guadeloupéens qui exposaient des tableaux là, il était à 80 000 euros.
C'est-à-dire qu'il y a Pichet qui est des plus grands peintres de l'histoire de Laos. C'est quoi l'opéra, ça n'a pas connu Dieu. Bon, d'accord. Donc, les gens qui viennent parler des affaires Bitin, et c'est Mouna ça qui a continué afficher des prix qui n'ont pas de sens. Parce que les artistes les plus connus au monde, guadeloupéens, les plus connus au monde, guadeloupéens, ils ne connaissent pas Dieu ici. C'est-à-dire que les artistes ne connaissent pas Dieu. Et ils n'ont pas de venir ici. Mais à l'international, à l'international, il n'y a pas respecté. Et c'est Mouna ça par un tableau. Mais est-ce que, parce que dans le milieu artistique, l'art visuel, est-ce qu'entre autres, des fois, ils ont beau compter, même s'il y a des divergences, est-ce qu'ils ont beau compter pour qu'un pays ait pu avancer? Parce qu'en cas vrai, que chaque union logique, logique rien pour faire pays avancer, mais pas qu'à vrai, malheureusement, pour le monde, pour mettre ensemble. Non, est-ce ça qu'a fait? Le problème là, qui n'y là, bon, quand t'as là, normalement, il peut faire. Mm-hmm. Déjà, les réseaux sociaux sont une plateforme là, plein de monde qui a fait bavardage inutile. Mais là, on voit, en cas de publication, sont problématiques, par exemple. Oui. On crée. Ou que tu fais des likes, des monde qui a liké tout ça. Et au niveau du débat même, de l'échange, c'est un poignet à monde qui a réagi. Et les autres, pas qu'à réagir. Pourquoi? Il faut dire en vérité. Il faut dire en vérité. Il faut dire en vérité. Les acteurs culturels, malheureusement, bon, on n'a pas même envie de dire c'est fort à eux. Les acteurs culturels, là, dans le pays, là, ça, étant donné que c'est très difficile, marché là, il n'est pas extensible. Et au là, les mounes qui peuvent permettre d'exister, au là, yo, dans les institutions. Uh-huh. Donc, si vous êtes trop critique, attends, les institutions. Attends. Si vous êtes trop critique, alors, comme nous n'avons pas marché publicité, sinon nous ne pouvons pas vivre, alors nous avons marqué un petit pause publicité et nous avons rebattu Richard la parole parce que c'est un cas dit là, très intéressant parce que son émission, en cas d'émission là, ça y est engagé pour Pep Guadeloupe, pour Pep, en crédit matinique, pour Pep France, pour tout le monde qui a parlé créole pour comprendre qu'il a qu'il dit et qu'il nous attend quelquefois aussi de nous-mêmes, des politiques aussi, mais de nous-mêmes. Nous avons marqué un petit pause. À tantôt.